Cette semaine, le Motorfest présente un tout nouveau thème. Japanese Custom. Imposez votre style de customisation à vos adversaires. Et bonsoir les Paradise, c'est Hardcore Grunge Paradise, chaîne peuplée avant-gardiste. Et donc, et voilà, on est parti pour le deuxième épisode de la série. De The Crew Motorfest en pleine période d'essai. Comme je constate, il me reste tout juste 3h 47 minutes. Donc, et voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on a fait, ouais, on a fait du drag race. Validé. Ah oui, d'accord. Donc, il reste 3. Il en reste 3 pas faire. Donc, on est parti. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à ajouter? Alors, qu'est-ce qu'on a comme voiture spéciaux? Eh ben, je doute que ça soit... Non, même pas. Ah oui, ça, c'est à voter, ça. Attends. Non, je vais peut-être prendre autre chose, là. Alors, ça, c'est quoi? C'est la Nissan. Et je vais voir dans l'autre caisse. On va voter. Ah bah oui, mais ça c'est pas mon problème. Hein. Après bah voilà. Vous savez pourquoi. Vous savez pourquoi je veux pas. En cas de perte de contrôle. Allez. Je sors. Et il me reste. On peut reprendre notre progression sur cette playlist. Allez. On prend de l'altitude. Pour tester les voitures les plus coriaces, il nous faut des sites à la hauteur. Comme les terres du gardien de l'île, par exemple. Kilomètres encore. Oui, je parle bien du volcan. Tu te souviens quand je t'ai dit que Jim conduirait ses voitures sur la Lune s'il le pouvait? Eh bien, on n'en est plus très loin. C'est trop important pour moi d'avoir ce jeu. Mais franchement, les graphismes sont vraiment bien maîtrisés. Après, je pense que pour la communauté de Motor Games, que The Crew Motorfest reste un
très très bon jeu que la plupart sur Youku 2. Enfin, et je remercie carrément pour tous tes conseils, enfin pour tout, pour toutes tes discussions que tu as abordé le sujet sur Zoku Motor Fest. Et vraiment, t'es au top, mec. Franchement, bravo. En plus, une Mustang GT spécialement conçue pour l'off-road t'attend. Cette voiture est ta meilleure chance pour ce face-à-face à la David contre Goliath. Voilà, donc je disais que ce que tu fais, c'est vraiment super. C'était on passe un merveilleux moment avec toi, Motor Games. Et ça, merci beaucoup. Tu m'as pris sur mon aile là. Et franchement, GG à toi. Je dois dire carrément que je suis fan de toi. Et bravo. Tu le vois au loin ? Il t'attend. Allez. Allez, allez, allez. On est un peu loin de là. Ça va. Ma mission a été accomplie. Et bah avec ça, je gagne beaucoup plus... Quand je fais les défis... Quand je faisais les défis sur le slalom par exemple, et ben je gagne de moins en moins de box. Contrairement aux autres épreuves qui on gagne beaucoup plus de box, que ce soit pour les hypercars ou pour le street race. Et vraiment, voilà. Phoenix Rumble. Et je pense que pour la difficulté, on verra ça pour plus tard. Alors ça, c'est... Franchement, c'est un monstre. De ACDC. Une autre de mes Mustangs que j'étais spécial Rally Raid. C'est le parfait instrument pour ce taf. Ouh, regarde-moi ça. Tu vas kiffer. Sérieux, mais mate-moi ce sommet. À base. Pour le spectateur, c'est très joli. Accroche-toi, ça va secouer. Je sais, j'ai l'habitude. Et en augmentant les difficultés sur Zoku Motor Fest. Hey, regarde les gradins à ta gauche. On dirait que t'as des fans. On va leur en donner pour leur argent.
Je n'ai pas besoin de, d'avoir de l'œil défiant. Prépare-toi à t'envoler. Je n'ai aussi pas besoin des compteurs de vitesse. Pour tout vous dire. Musique, alors franchement ça envoie. Ah ouais. Ça fait un tour. Allons défier géant encore une fois. Flashback de mes road trips en Arizona. Il y a pas mal de volcans aussi là-bas. Et de longues routes qui disparaissent à l'horizon. Descente, mais garde un peu de nitro pour le tremplin. Maintenant, propulseur à fond. Et on décolle. Et voilà. Le clou du spectacle. Allez, on casse la baraque. Arrivez. Bien. Regardez. Matez-moi ça. Sur le devant de la scène, sous les projecteurs, elle est là, ta place. Ah, la musique, ça rend bien. Félicitations, pilote. Tu te rapproches encore plus du statut de légende du Motorfest. Une nouvelle récompense t'attend dans le menu activités. Que des bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles. Et vraiment, merci. Pilote, de nouveaux challenges t'attendent. Alors, tu penses quoi de cette playlist jusqu'à présent? C'est du costaud, pas vrai? On pourrait même se dire qu'on a déjà fait le tour de ce qu'il y avait à voir sur les muscle cars et supposer qu'on n'aura pas plus intense que ça. Eh bien, détrompe-toi. La prochaine étape est une épreuve de force impitoyable, bien au-delà de la limite de vitesse et même de tes attentes. Et c'est l'occasion de voir jusqu'où la customisation des muscle cars peut aller, et à quel point elle peut être cool. Allez, deuxième course. Regarde-moi
cette meute de bêtes sauvages. Cette course va être sanglante. Relax, t'as la meilleure machine. Faudra juste pas faire de fausses notes. Bien joué! C'est ça, montre-leur! Tu vas te frotter à le méchant virage d'entrée de jeu. Ouvre l'œil et essaie de garder le contrôle de ta machine. Bon, vous êtes gentil, mais quand même. Fais confiance à ta voiture. Mais là, je suis concentré. Bien, envoie-les dans les cordes. Et voilà. Passer la partie sinueuse de la route. Maintenant, tu peux laisser parler le V8 suralimenté. Et regardez encore. Je suis encore loin. Enfin non. Je suis loin de... Franchement, je suis premier. Bon, t'as probablement remarqué que je suis un grand fan de la Shelby GT500. Et là, t'es au volant de ma voiture la plus agressive. Mon édition spéciale Jimbo Full Power. Cette voiture, c'est l'un des joyaux de ma collection. Elle me parle dans mon sommeil, je te jure. Elle lâche jamais le morceau. Jamais. Je me prenais en pleine face. C'est inimaginable. Ah! Et on se fiche de ce que les autres pensent. Tu vas bientôt atteindre le port. T'approches de la ligne d'arrivée, c'est pas le moment de te louper. Regardez bien comment je maîtrise. Regardez bien comment je maîtrise. Comment je maîtrise ce jeu. C'est un truc de malade. Et franchement, trop hâte de devoir en acheter. Parce que ce jeu me compte beaucoup pour moi. Bon après, on va pas se mentir, hein, les Paradise. Si je voulais avoir ce jeu, c'est pour... C'est... Voilà, c'est ça, que... sort l'écran. C'est que... si je voulais faire des vidéos sur The Crew Motorfest, c'est que... je ferai un maximum de vidéos tout le temps. Maintenant, après, il n'y aura pas que The Crew Motorfest, il y a aussi... que je pourrais peut-être vous montrer sur certaines vidéos de The Crew 2. Hein. Puis... ou encore d'autres jeux comme le premier opus de The Crew. Voilà, c'est une proposition. Hein. Pas le temps de te reposer sur tes lauriers. On continue, pilote. Tu sais maintenant que les muscle cars existent depuis la seconde moitié du 20e siècle. Mais curieusement, tu n'as pas encore piloté une classique du genre. Eh bien, je t'annonce qu'à la demande de Jim, nous avons décidé de te réserver l'Origin Story pour le grand final. Un classique absolu t'attend. Un graal pour les collectionneurs et la plus grande fierté de Jim, la Mustang Boss 429. Ça, c'est pas un conducteur adapté, hein, monsieur camionnette, là. Prépare-toi à vivre un tournant de l'histoire des muscle cars américaines.
Allez. J'ai envie de progresser. Alors, option de difficulté. Allez. 14%. On va augmenter un petit peu de... du hard. Terminé dans le top 3. Oh la vache. Oh, alors celui-là. Alors celui-là. Regarde-moi ce monstre. La forme du Stank Boss. Allez go. Ah putain. Alors, ok, je suis dernier. C'est notre dernier show, on va faire un max de bruit. Et au volant de ma voiture préférée, la star de ma collection, la Mustang Boss 429 de 1969. Le nom parle de lui-même, l'une des plus anciennes muscle cars, et toujours l'une des meilleures. J'ai toujours été doué avec l'école. J'étais même le meilleur. Non. Non, pas forcément. J'ai toujours pas été meilleur à l'école. Hein. Vous savez, hein. Et... et regardez-moi ça. Comme je suis premier, j'ai augmenté la difficulté du jeu. Et... sans problème, je suis premier en cours. Alors là, franchement, je voudrais être fidèle. Là. Deuxième tour. Fais pas les choses à moitié. Donne tout. Allez, go. Deuxième tour. Je le donne. C'est une icône. Elle a façonné l'âge d'or des muscle cars. Des années 60 au début des années 70, c'était ce qui se faisait de mieux. Et c'était l'époque où on a commencé à appeler ce type de voiture muscle car, au lieu de hot rod ou dragster. Ouais, même si l'esprit hot rod existait depuis le début des années 50, c'est que dans les années 60 que le terme muscle car est apparu. Ça incarnait vraiment la soif de rébellion de toute une génération. À l'époque, si on aimait les muscle cars ou les voitures en général, c'était du côté de Détroit que ça se passait. T'as déjà entendu parler de l'avenue Woodward? C'était un spot réputé pour les courses de rue. Regardez-moi ça, comme je suis premier, pour moi, c'est sans problème. Et dernier tour. Et je suis toujours premier. C'est sans problème aussi. Mais pour eux, ça pose problème. Mais tant pis pour eux. On va finir en attaquant comme il se doit. Montre-leur qui c'est le boss. Allez, c'est moi le boss. Je suis le vrai boss. Et vous savez qui je suis. Dernier solo, donne au public ce qu'il est venu chercher. Super, regardez-moi ça. Y'a rien à ajouter, t'es une rockstar.
l'esprit des muscle cars t'anime. Allez, à plus. Et avec ça, je commente beaucoup plus de bugs. Tu n'as pas récupéré ta récompense pour cette playlist. L'esprit muscle car peut être décrit de bien des façons. Mais et voilà la dernière épreuve. Rencontre directe avec le chrome. J'espère que tu as profité au maximum de cette expérience. Jim aurait aimé rester un peu plus, son expertise et sa passion sont déjà sollicitées ailleurs. Mais il a laissé ce petit mot pour toi. Je pensais pas prendre autant de plaisir à voyager côté passager. Continue à tout déchirer. PS, j'espère que t'aimeras le petit souvenir. Je détecte un signal provenant... Allez, ouvrir le trésor. Ah, flûte. Alors, attendez, bougez pas. Voilà, vache. Alors ça, franchement, bravo. Merci beaucoup. Suivante. Donc, playlist suivante. Entrée dans le main stage. Playlist débloquée et parée au décollage, pilote. L'édition Gold vous donnera accès à The Crew Motorfest, jeu complet, ainsi qu'au pass année 1. Le pass année 1 vous permettra de récupérer 25 nouvelles voitures, 2 par mois, dont 2 exclusives au lancement. Relevez tous les défis de pilotage à bord des véhicules les plus légendaires du Motorfest.
playlist a été créée pour te proposer un aperçu de la culture automobile japonaise. C'est pas la voiture qui a été là. Les japonais sont le rêve de tout customiseur. Des bolides gonflés à bloc et un style inimitable. Allez, stop. On arrête la sirène. Parce qu'après... ça va être un petit peu... pénible. Bougez pas. Hop, ça je quitte. Voilà. Nous avons voulu couvrir toutes les disciplines. Du drift dans les montagnes à la course de véhicules hautement customisés. Et qui de mieux placé que de vrais pilotes japonais pour te montrer les nuages. Je pense que je ferai une petite coupure pour... On te donnera bientôt plus de détails. Mais dirigeons-nous d'abord vers le conteneur. Et je pense que je ferai une petite coupe. Enfin, une petite coupe. Non, non, je vais masquer la liste de notifications là. À faire. Je m'arrête là, je prends une autre véhicule.
pas comment ça, mais quand même. Quand même, quand même. C'est assuré que tu découvres presque tout ce que les pilotes japonais ont à offrir. Prochain objectif. Alors, c'est ce qu'on va faire, les Paradise. C'est qu'on va s'arrêter là pour... cette deuxième épisode de la série de Zucru Motorfest. Donc, j'espère en tout cas que cette deuxième épisode... vous aura quand même plu. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, uniquement que pour la bienveillance et non la malveillance. Pour moi, c'est ce que je préfère. Voilà. Et puis bah voilà. Je vous dis donc à très bientôt. Prenez soin de vous. Et vive les jeux vidéo. Bye.